Voilà, bah c'est jeudi 14 avril. Donc, comme prévu, je décolle aujourd'hui pour la Tunisie, en passant par l'Italie, la Corse et la Sardaigne. Ouais. Donc, je suis équipé d'une GoPro et puis d'une caméra de point et j'espère que vous pouvez profiter de ces belles images. Voilà, et puis comme on dit, bon vol. Première étape. Ah génial, génial, c'était super. Un très beau vol avec le mont Cenis là. On a passé en radada. Philippe, il a fait du radada sur les névés. C'était magnifique. Non, c'est vrai. Très bonne condition. Et maintenant, on fait quoi? Et maintenant, on fait le plein des machines, un petit peu des mecs, et on repart. C'est vrai que c'est assez doux, ça. C'est un endroit où il y avait avant les premiers hélicoptères, enfin hélicoptères, autogires Magny qui étaient fabriqués ici. C'est des autogires qui étaient parmi les pionniers et les meilleurs, qui maintenant étaient un peu dépassés. Et là on peut manger, c'est magnifique, c'est un bon restaurant. En principe il y a le pétrole là, mais ça dépend beaucoup des Italiens.
Là, il n'est pas déposé. Maintenant, il se vérifie. Si c'est bon, OK. Voilà, il viendra revérifier. C'est bien. OK, déposé pour demain matin, 6h. 8h. Et puis là... de vol depuis la Speziana et puis c'était nickel. Et puis là on est à Gabbiano. Gabbiano et là-bas c'est l'île d'Elbe et puis après là-bas c'est la Corse qu'on voit pas. C'est un peu couvert mais... Oh, c'est synchronisé. C'est pas beau ça. C'est bello, grazie. Buongiorno! Buongiorno! Arriviamo da Ginevra stamattina. Okay.